Les amis, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle série Lego Jurassic World. Il vient de sortir il y a juste quelques jours. Game Wars pense. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être se partager un petit peu ce jeu. Et puis finalement, de partir ensemble, toi qui me regardes, dans cette aventure de Jurassic World. Alors vous avez tout compris, évidemment, il s'agit bien évidemment des films Jurassic Park 1, 2, 3, 4. Et le quatrième d'ailleurs qui sort très très prochainement. Et ensemble, on va pouvoir finalement revoir tout ça. On va tout ça, évidemment, avec le style Lego. Donc moi, je n'ai jamais joué donc à Jurassic Park World, non, je n'ai pas joué. Et non plus aux autres opus qu'il y a eu, je pense à Hobbit, etc., les Star Wars en Lego, etc. J'ai jamais joué à tout ça. Donc, bah, finalement, on va découvrir ensemble, toi qui nous regardes, hein. Voilà, et une bonne tête de vainqueur celui-là par contre. Alors, ah, un cochon, j'ai vu, un cochon, Speeder, cochon. Non, je me trompe, c'est pas du tout dans la même émission. Nous, ce qu'on va faire, ben, pour l'instant, ça va, tranquille. Une grosse caisse qui arrive. Alors, une grosse caisse. Je t'arrête tout de suite, toi qui me regardes. Quand j'ai une grosse caisse qui arrive, tu t'imagines des trucs, tu vois l'image, Gamours dans son fauteuil de gamer, en train de lâcher une grosse caisse. Non, il s'agit pas de ça. Tu l'auras entendu dans le micro, tu vois du genre... T'as pas entendu. Donc, il s'agit pas du tout de ça. Donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. C'est-à-dire tout simplement partager une partie ensemble. Alors, transfert de Raptor. Alors, pour ceux qui ont déjà joué, j'expliquerai pas le jeu. En fait, on va tout simplement s'amuser ensemble. Voilà, c'est comme un pack, hein, sauf que c'est pas des œufs qu'on ramasse, en fait, c'est des boulons, des écrous, ce que vous voulez, voilà, des pièces en plastique, et tout simplement, bah, des pièces de Lego. Alors, je voulais faire un truc. Quand Gamour se met en colère, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait un gros coup de boule. Pan! Tu vois? Alors, est-ce que tu veux pas t'abonner? Si tu t'abonnes pas, rien, tu vois ce qui peut t'arriver, Gamour? Voilà, donc, sois sympa. Abonne-toi et viens t'éclater avec moi sans prise de tête. Parce que franchement, moi je me prends pas la tête. Je fais des vidéos. Des jeux que j'aime. Voilà, tout simplement des jeux que j'aime. Je me force pas. Et puis je m'amuse. Pour l'instant, je m'amuse à ramasser des trucs. Hein, mais bon, tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des grosses bestioles qui vont ramper, qui vont voler. On ne sait pas. Toi qui me regardes, je mets la table. Chez moi, je fais mieux. Je mets pas la table comme ça. Hein. Le gars qui met la table, qu'est-ce que c'est? Non. Gamour, c'est en colère parfois. Mais de toute façon, Gamour, c'est en colère. Tu l'entends. Toi qui me regardes, puisque tu me regardes et que tu as l'habitude de me voir si je suis en colère ou si je suis triste. Évidemment. T'entendras pleurer, Gamour. Hein? Mais bon, là, je suis pas triste. Et pour tout te dire, en fait, pour tout se partager, en fait, ensemble. Ben, je suis vraiment chaud patate. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Le gars mange gentiment une glace. Pour nous que Amanda a inclus des esquimaux gratuits. Ah, il dit qu'il fait chaud, le gars, et tout le monde mange une glace, son cul. Ouais, mais il a dépensé. Ok, d'accord. Hein. Tiens, moi, je prends ça. Donc, tu manges ta glace. Je continue, bah, quelque part, à faire le ménage. Hein. J'ai l'impression, parce que le gars, il y a une espèce de pistolet bazooka, je sais pas trop ce qu'il a. On a l'impression qu'il va faire un super truc, qu'il va tirer une grosse cartouche, mais en fait, il fait un gros coup de boule, on a l'impression, quand il détruit le truc. Je mets la table. Ouais, voilà, c'est ça, fait, on n'en parlera plus. Voilà, on en est où? 8340 pièces. Pas trop à quoi ça nous sert, sans doute pour construire, évidemment. Moi, j'ai une technique à moi, qui est simple. Je détruis tout. Donc, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Bon, toi qui me regardes, si déjà t'as des doutes pour la vidéo, mets une com, discute avec moi. Dis-moi, ouais, Gamour, ça t'aurait dû faire ça, parce que moi je suis pas content quand tu joues. Et ben ouais, vas-y, discute avec moi, mets des likes, abonne-toi surtout. Voilà, et puis on partagera ensemble cette aventure Jurassic Park. Voilà, hein. Alors, gros coup de boule, après, j'arrache à fond, vas-y. Il reste plus rien. On va mettre un petit coup quand même pour bien finir le truc. J'aime pas les choses à moitié. Et là, c'est pas mal, hein. Parce que franchement, pour le coup, on a fait le ménage. Alors, ici.
Je vais achever le truc. Ah, ici, il faut ramasser, en fait. Ah ouais. T'appuies sur le rond, tu vois, et comme ça, bah, tu mets les pièces au bon endroit, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Il reste une. Voilà. Et t'as construit un truc. Bon, là, on va changer avec le triangle. Moi, j'explique un peu quand même. J'explique un peu quand même. T'appuies sur le triangle pour changer de personnage. Voilà. Ici, t'as une petite marque ADN qui te dit tout simplement que tu vas passer à niveau intermédiaire du niveau. Un gars qui réfléchit derrière son écran et qui a pas compris ce que j'ai dit. Non, si t'as compris, t'as très bien compris. Donc tu viens ici. T'appuies sur le rond. Il faudra le démarrer avec votre ennemi. Ouais, d'accord, je vais le démarrer avec ça. Hein. T'inquiète, je sors l'engin. Et tu branches. Ah, le gars, il est branché à fond. Il est sur 3800 volts, le gars. Faut me dire qu'il rigole pas. Voilà. Et tu vois, on s'est tout simplement ensemble, dès le début de la vidéo, fabriquer une petite échelle. Et nous allons monter. Voilà. Et nous allons... Tout ramasser. Essaye de me suivre. Toi qui me regardes. Voilà. Donc ici, j'appuie sur le rond. Et que la lumière fuit. Voilà, je vais mettre du jus. Et voilà, ça... Donc il y a un petit niveau qui monte. Je sais pas ce que c'est, espèce de truc. On verra. Je t'ai dit, je découvre. Hein. Voilà, je remets un petit coup ici parce qu'il y en a un deuxième. Donc ça, en fait, ça nous allume les projecteurs. Donc, ça sert à rien. Ça non plus. Et puis Guémour s'aime bien mettre des points et faire des gros scores. Donc comme ça me fait. Il y a un bestiole. Il y a quelqu'un. Wouh, il y a quelqu'un. Attends, je le refais. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. D'accord, ok. Ah, ici. C'est quoi ça? C'est un triangle. Et il faut changer de gars, Donc je change de gars, Voilà, je prends celui-là. Voilà, pourquoi il faut les changer de gars? D'accord, on suit les traces. Par moi, on suit les traces, hein. Si. Je commence par ici. Sympa, on suit les traces. Ah, le gars, il a quatre pattes. Ah, c'est un fanimier, le gars. Il sniff. Ah ouais, il a trouvé. Il a trouvé des pièces. Donc les pièces, on va les placer là-bas. Tranquillement. On met nos petits cubes. En ce moment, Game Ours ne tourne pas rond. Vous avez remarqué, après Minecraft, c'est Lego. Ça va pas dire que je tourne rond. Hein. Il perd ton écart un peu, quoi. Donc je vais continuer. Moi, je vais ramasser le max. Hein. On est là, c'est pour ramasser les pièces. Hein. Donc bonjour, salut. Ça va ? Hop là, je ramasse les pièces. Je suis venu juste faire un petit tour là-haut pour ramasser les pièces. Et faire monter mon score, 15 700. Eh, hey, je commence, hein, 15 680. Joli score. Je vais continuer. J'ai vu tout à l'heure encore des projecteurs. Ici, il y a des pièces. Oh, je vais prendre. Et ça. Bon, voilà, une grosse correction. Voilà, je ramasse, on verra ça plus tard. J'ai ramassé ça. Oh, il y a un truc encore ici. Coup de boule. Une autre action. Et je l'achève. Ça, c'est un jeu de combat ou quoi? On a l'impression que le truc... c'est un jeu de boxe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait signe que je suis con, là. Il y a que sa torche, il m'a fait signe, comme ça, sur le casque. Ça va pas, Game Ours? Ouais, je vais surveiller. Alors, je vais faire venir donc mon collègue, hein, comme d'habitude. C'est lui qui est branché à fond. Lui, le gars, il est branché à fond. Il y a du jus, hein, le gars. Ouah, le gars, il se met à fond. Et voilà, il t'allume tout le tout. Ah, on a gagné quoi? On a débloqué un truc. Sur 10. Il y en avait 10 à débloquer, On verra bien. Je ramasse les pièces. Ça, je vais le prendre aussi. Moi, je serais pas venu pour rien. Voilà. Remonter. Là, on a fait pas mal de choses quand même. Je vais continuer un petit peu l'aventure. Alors, j'avance. Ah, j'avance. Le gun a l'impression qu'il saute plutôt qu'avance. Je l'avais oublié celle-là. Ben alors, on peut pas la mettre. J'ai un bug. J'ai une pièce volante. Voilà. Merci. Suffisait d'appuyer tout simplement, hein, sur la touche adéquate. C'est le rond pour ceux qui cherchent. C'est le rond. Pas bien compliqué non plus. Et finalement, tranquillement, on a fait un petit bonhomme de chemin. Et là, là-haut, vous voyez, il y a une cible. Par contre, il va falloir. Je sors mon arme. Guémour, c'est un grand tir. Ici. Dans le mille, bien joué, Guémours. Ah, boum, et voilà. Tu peux ça récupérer encore? Non.
il va falloir replacer toutes les pièces, hein, encore une fois. Finir en fait le sol tout simplement. Et voilà. Il y en a encore une ? Il y en a encore une. Alors. Les gars, ils vont pousser. Waouh ! Ça décroche, hein. Le gars, il est pas resté accroché à la cage longtemps, hein. Je vais ramasser mes pièces, moi, tranquillement, quand même, avant. Avant qu'on me les pique. Voilà. Alors, ah, besoin d'un petit coup de main. Game Ours. Alors, allez, c'est parti, je vais vous aider. Parce que ça n'a pas l'air d'être facile, facile pour vous. Un petit coup de main. Bon, et voilà. L'échelle de la cage est bloquée. Quelqu'un peut aller taper le code de sécurité. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué, apparemment, Et l'autre en haut qui a rien compris au code. Bon. Est-ce que Gamour est capable de trouver le bon code ? Ça, c'est la bon question. Courage, j'ai jamais rien compris à ce panneau. T'as rien compris, mon gars. T'as rien compris. Hein. Bon, on continue à rester là. Gamour va prendre les choses en main. Voilà, voyons un petit peu. Carré, triangle, carré. Carré, triangle, carré. Et puis, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est mon gars. Ouvre la porte. Par contre, il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. Je suis sûr qu'il va se passer des trucs. Je vais voir en bas. Ah, faut monter. Faut monter. Voilà. Peut-être appeler le gars. Ah, c'est l'autre. C'est Mister Jume. C'est le gars qui est branché sur le 3000 volts. C'est lui. C'est lui qui doit le faire. Allez, vas-y, mon gars. Ouais, sauce. Et alors? Et c'est pas beau, ça? Il va manger une saucisse. Ouh. Il est intéressé par la saucisse, le gars. Ah, punaise. Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé dans la cage. Alerte. Gamous, vas-y. Tire le blanc. Il y a une grosse bête à l'intérieur. Putain, c'est bouffé, le gars. Ah, mais l'œil. Abattez-la. Ah ouais, tu l'as dit, mon gars. Abattez-la. Le gars a perdu sa saucisse, il chouine. Ah, c'était génial. Donc, voilà, pour cette première partie, ce premier épisode, il y aura d'autres trucs, Abonne-toi si tu veux voir la suite. Je vous laisse un peu avec la cinématique, un petit peu voir ce qui se passe. Peut-être que l'un des autres sites de fouilles a eu plus de chance. Comme ça en français. On profite un peu de tout, en fait. Hein. On voit un petit peu ce qui peut se passer. Ah, pour le coup, il y a encore des pièces et tout. Voilà, comme vous avez vu, j'ai une petite sauvegarde qui est apparue. Et qui signifie, tout simplement, toi qui me regardes et qui viens de découvrir le début de Jurassic Park, ça signifie que la prochaine fois, on va redémarrer exactement là, au même endroit, toi et moi, puisque tu t'auras abonné et que tu suivras le deuxième épisode. Donc, si j'ai un truc à te dire, c'est abonne-toi. Suis mes épisodes, je fais plein d'autres trucs, hein. Je fais pas que Lego, évidemment, va voir ma playlist, tu découvriras plein de choses, et voilà, et on se retrouvera donc ici, ensemble, simplement, avec Gamours, pour s'éclater à Lego World Jurassic Park. Allez, salut, à bientôt, merci d'être venu, au revoir.